je vais vous raconter une histoire de monstre. C'est un monstre, ce monstre-là, c'est un être incompris. Ce monstre, c'est quelqu'un qui est égaré. Il n'arrive pas à trouver son chemin. Ce monstre-là, il a perdu ses habitudes sociales. Ce monstre-là, il est tout le temps sur Internet. Ce monstre-là, il ne fait pas de sport. Ce monstre-là, il n'a pas le temps. Toujours, il n'a pas le temps de terminer les choses. Ce monstre-là, il n'a pas froid aux yeux. Ce monstre-là, il n'a pas de gêne. Ce monstre-là, il est gâté. Il est égoïste. Il pense qu'à son intérêt. Ce monstre-là, il est partout. On le croise toujours dans notre vie. Vous le croisez certainement. Et vous l'avez même dans votre entourage. Ce monstre-là, il construit un nouveau terre. C'est le New Digital Age. Mesdames et messieurs, je vous présente ce monstre. Ce monstre-là, c'est le roi du monde, désormais. Ce sont les Digital Natives. Ça incarne la nouvelle génération de la mid-generation. Nous, à WeZine, on prétend juste qu'on sait parler à ce monstre-là. En fait, ce monstre-là, il cherche juste à être compris. Nous, on va essayer à vous aider à devenir son ami, à me compter, à construire avec lui des choses et à raconter des histoires. Et surtout, on veut vous éviter cette situation. Ce monstre-là, il manque un ouvert, l'ère de la pub est révolue en fait. Chers marketeurs, vous avez perdu la main sur votre marque. Vous n'avez plus la main sur votre marque. Aujourd'hui, c'est lui qui l'a construit avec vous. Fini la relation verticale où vous diffusez vos messages. Aujourd'hui, c'est une relation horizontale et vous devez discuter avec lui. Et nous, à WeZine, on sait discuter avec lui parce qu'on est en contact permanent avec lui. Depuis 2008, on est en contact avec plusieurs monstres, 6 millions de monstres qui visitent nos sites et nos plateformes et nos applications. On discute avec eux tous les jours, on discute avec 1,5 million de monstres tous les jours sur nos pages Facebook de nos clients. Et bientôt, dans quelques jours, nous serons installés en Algérie, donc on va vous aider à parler avec les monstres algériens. On commence déjà avec notre premier client, c'est là. Alors, je vais vous parler un peu de ce monstre-là. Ce monstre-là, il adore s'approprier les choses. Il adore personnaliser les choses. Il déteste ressembler aux autres. Il s'adore tellement et veut le tout personnaliser. Et nous, à WeZine, on a fait quelque chose pour lui. Le troisième programme que vous regardez en avant 2013, ben nous, à Happiness 2, on va co-écrire le scénario avec l'équipe Underground Skills. C'est-à-dire, les internautes, ils vont pouvoir écrire des balles avec les personnages de Happiness, avec un outil qui est une application Facebook, très didactique, très ludique. Ils vont pouvoir écrire le sketch, et puis avec l'équipe de production, on va choisir les meilleurs, et ceux qui sont en ligne avec la ligne éditoriale de la série. Et après, on va passer ça à la télé. Donc le monstre va co-écrire l'histoire et puis la voir à la télé. Ce monstre-là, il a une autre caractéristique. Il déteste les lectures. Il est accro de vidéos et il veut tout le temps qu'on lui raconte des histoires. C'est pour ça que désormais, on parle d'histoire de marque et pas d'image de marque. Donc on a besoin de storytelling, on a besoin de raconter des histoires. Je vous donne un exemple.
Alors ça, c'est une histoire qu'on a racontée pour inciter les gens à commander des vêtements de style rétro. S'ils sont en face des années 60, 80, de Empire, de Homo sapiens, ils peuvent commander leurs vêtements en ligne. Et pour expliquer tout ça, on a raconté cette histoire. Histoire de gens qui dans leur quotidien sont en style rétro. Voilà, styletro.com. En fait, c'est un teasing pour le lancement de marque InVogue, qui est une marque branchée, trendy. On a laissé commander leur tenue en ligne pendant 3 semaines, et puis on leur a dit, tout ça est fini, maintenant il faut s'habiller moderne, maintenant il y a InVogue. Ça, c'est pour InVogue. Ce monstre-là, il est coriace, il nous contrôle tout le temps, et il nous tient au mot. Il est très exigeant. Il n'est pas bon, l'orthographe. Il nous contrôle tout le temps et il voit s'il a respecté les choses qu'on a promises. Si on ne les respecte pas, il nous le fait savoir. Donc nous, chez Wizen, on a tous les outils, c'est-à-dire on fait de la veille pour nos clients, justement, pour qu'à chaque fois qu'il y a un truc, on remonte. Là, je vous racontais une anecdote avec notre client en Tunisie. Donc, quand on gérait la page Facebook, un vendredi soir, il y a eu un internaute de Sfax qui nous a dit, c'était après la révolution, hein, l'époque où tout le monde saccageait les boutiques Orange, etc. Donc il est venu sur la page, il a dit, attention, les habitants de Sfax, ils vont saccager votre équipement. J'ai entendu ça, c'est à prendre en sérieux s'il vous plaît, ils vont saccager votre matériel. Donc nous, on a tout de suite donné l'information aux équipes marketing de Orange qui ont pu intervenir à temps et échapper à la catastrophe. Donc ça, c'est mon cause de la veille, la réactivité de l'annonceur sur Internet. Ah, le monstre, il est gamer aussi, hein. Il adore les jeux, il veut jouer à l'école, il veut jouer au boulot, c'est un gamer invétéré. Il y a même une anecdote en Géorgie, je ne sais pas si vous le savez, les Américains sont tellement gamers que pour les radars, c'est devenu un jeu. C'est-à-dire, il y a un jeu fait avec les autorités américaines. Si tu respectes le radar et tu ne te fais pas flasher pendant plusieurs mois, plusieurs temps, tu gagnes des points. Et avec ton scoring, tu peux gagner des prestations administratives gratuites. C'est-à-dire qu'ils ont joué avec l'âme du gamer de l'américain. Voilà, ils ont compris. Ben, nous aussi, à Design, on fait des jeux pour le monstre. Là, c'est un jeu avec David Tunisie, en motion detect. Pour le projet d'année check. Donc, les internautes vont jouer avec webcam, avec le d'année check. Ils vont proposer leur cocktail à leur façon, donc un cocktail personnalisé. C'est un jeu très sympathique avec les membres. C'est un jeu du check. Voilà. Et oui, il mixe. Ce monstre-là, il est chronophage. C'est-à-dire, l'innovation, il attend toujours quelque chose de nouveau. Ils sont venus vite à une deuxième. Il y a un peu comme toi, chronophage. Tu as bouffé un peu de temps, c'est parti. Tu as 2 minutes. 2 minutes, d'accord. Donc il est chronophage, il est assuré de nouveautés. C'est pour ça qu'en discutant avec lui, il faut toujours lui raconter des histoires nouvelles. Toujours des histoires nouvelles. Et c'est ce qu'on fait en community management, dans nos pages Facebook. On essaie toujours de raconter des histoires nouvelles. The biggest challenge. Je les appelle parce que j'ai plus de temps, c'était pour Danette Tunisie. Autre chose, ce monstre-là, il n'en a rien à foutre de vos produits et de services. Ce qui compte pour lui, c'est l'intérêt, son intérêt, il est selfish, il veut résoudre ses problèmes. Donc, tous vos produits, ils s'en foutent un peu. Il a aussi des missions à accomplir. C'est-à-dire, il vit en communauté, il se donne des missions en groupe. Pour Zélis, l'opération santé, on a fait une opération, on leur a donné une mission de faire circuler la caravane. Et on a fait un algorithme, une échelle, sur 1 like égale 100 mètres. Et plus vous cumulez des likes, plus la caravane va passer.
Donc ça, c'est pour la mission. Vous pouvez trouver toutes ces vidéos sur notre chaîne YouTube. Je veux juste illustrer. Voilà, donc il n'y a rien à foutre de vos produits et services. C'est pour ça qu'avec Orange, on a créé, les équipes d'Orange, le SAV en ligne. Le SAV en ligne, c'est-à-dire là, les gens ils peuvent donner leurs réclamations sur les produits et services en ligne avec des conseillers qui sont connectés et qui sont là pour leur répondre. Donc les monstres sont contents parce qu'il y a quelqu'un à l'écoute qui ingurge toute cette énergie négative. Les monstres, ils veulent des expériences inédites. Ils veulent des choses nouvelles. C'est pas vrai qu'ils veulent des grandes idées. Ils veulent des idées riches et généreuses. Ils veulent des expériences uniques pour eux. On a un exemple avec une application de vidéo immersive avec Delis, qui s'appelle Delis Colio. Donc, l'internaute choisit sa propre histoire en faisant des choix selon des vidéos qu'il a devant lui. Donc, chaque fois qu'il fait un choix de vidéo, il a une histoire qui se déclenche. Ça s'appelle une expérience immersive que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube. Le monstre aussi, il bouge tout le temps avec son smartphone. Donc nous, avec les intermédiaires, on sait le traquer, on sait connaître ses lieux de vie sur Internet pour que vous l'engagez au bon moment et que vous lui donnez le bon contenu au bon moment pour une démarche égoïste. Le monstre aussi, il fait confiance à ses amis, il ne fait pas confiance aux marques. Donc ça c'est un cas jeune ministre avec Orange Tunisie. Ce jeu-là, donc les jeunes, ils s'invitent sur Facebook, ils forment leur gouvernement et puis ils tracent leur propre programme électoral. Et après ils font campagne pour leur nouveau gouvernement. Ça s'est passé sur Facebook, à l'époque post-révolution. Pour finir vite, pour respecter le timing. Voilà, il est de plus en plus oublié, il est plus connecté. Ce monstre a utilisé 10 millions de smartphones dans le monde, et en Tunisie, on est plus de 2,5 millions à utiliser le mobile. Donc c'est un média qu'on ne peut plus ignorer. L'audience est là. Et nous, à Misaï, on aide les gens à aller sur le mobile, avec Forceware, avec des applis mobiles. L'appli mobile d'été qui va voir le jour, donc qui va être en l'air dans quelques jours, ça permet de trouver les boutiques d'été, les contacts utiles, les promotions, etc. Et pour finir, ce monstre-là, il doit être le héros de votre histoire. Ben oui, c'est lui le roi du monde. Il doit être l'héros. Donc il y a un cas ici, Orange Fantastique. Donc avec Orange, on a fait un jeu pour dire quel est le fan d'Orange le plus fantastique. C'est qui le fan qui mérite d'être le fan absolu d'Orange Tunisie. Voilà. Ça s'appelle Fantastique, ça a eu un gros succès, plus de 30 000 fans. Le taux d'interaction a grimpé de plus de 70%. C'était, voilà, parce qu'il est l'héros de l'histoire, donc il participe. Deux exemples pour finir. Vraiment pour finir. C'est fini. L'héros de l'histoire de 2013, c'est Aziza de Danup. Donc Aziza, elle a participé à un casting en ligne, s'il vous plaît. Elle a posté sa vidéo sur une appli Facebook de Danup Tunisie. Après, la vidéo a plu, elle a été sélectionnée, elle est venue devant un jury, elle a été castée, et puis elle a fait des scènes grâce à Danup. Une chanson a été produite pour elle grâce à Danup. Elle est devenue la star grâce à Danup. Voilà. C'était tout. Merci. Merci, bravo.